là, ils sont venus, ils accourent, ils se pressent et Cricket est là pour voir la star. La star, bien sûr, c'est lui, le héros motivateur, le père de Trève, la gagnante du prix de Diane, du prix Vermeil et de l'Arc de Triomphe, entraîné par Cricket Head en personne, qui est là dans son haras. Et bien sûr qu'on va rencontrer tout de suite pour nous présenter Motivator et aussi les 5 autres étalons. A tout de suite. Avec Cricket Head au haras du Kenet, à tout seigneur, tout honneur, Motivator, le père de Trève, au moment, l'année où vous rentrez le cheval, c'est un conte de fées. C'est vous-même qui l'avez écrit ou comment vous faites? Moi, j'ai eu de la chance surtout. Mais enfin, c'est formidable, bien sûr. C'est un conte de fées, comme tu dis. Comment il a été reçu l'année dernière, donc pour sa première saison en 2013, avant que Trève sorte, il faut quand même le rappeler. Bien sûr. Il a été très bien reçu puisqu'il a saillé 135 juments. Et il en a eu plus de 125, je crois, pleines. Donc, c'est un bon ratio pour lui. Et le cheval est très très bien apprécié. On a déjà vendu plus de 100 saillies, 108 pour être exact pour le moment. Donc c'est le début de la saison pour certains. Et c'est un cheval qui va couvrir à peu près 140 juments. Peut-être il va concourir pour le Rocco d'Or. Alors 2014, un prix très 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 convoité. Tout l'automne, ça a été. Comment ça s'est passé quand parce qu'il y a eu Trève et puis il y a eu tous les autres un peu. Est-ce qu'il y a une satisfaction personnelle à avoir trouvé la perle peut-être? Trouver la perle. Je pense que on lui a fait confiance et voilà. Trouver la perle, elle était déjà là. Hein. Il avait eu des problèmes, il a eu des soucis. Bon, peut-être qu'il n'a peut-être pas sailli exactement les mêmes juments, j'en sais rien. Mais le cheval, parce que Trève, elle a été conçue en Angleterre quand même, hein, il ne faut pas oublier. Papa, il a acheté des parts, il avait envie de le ramener, il aimait bien ce cheval-là. Donc c'est comme ça qu'il est venu ici. Alors, on va quand même préciser, il y a une génération où il n'a pas eu de produit Motivator, donc il ne faudra pas que les éleveurs soient surpris de ne pas avoir de gagnant. Laquelle est-ce? On va la rappeler. Ben, il n'a pas actuellement, il n'aura pas de 2 ans ni de 3 ans. Il n'aura pas de 2 ans cette année puisqu'il a fait une année de monte. Il a été arrêté pendant une année, il a eu des soucis de santé. Mais bon, ça sera pallié parce qu'il va avoir d'autres chevaux qui vont venir, ça ne se verra pas tellement. Fuissé, un jeune cheval également qui va arriver dans une année assez cruciale que tu connais par cœur. Est-ce que Fuissé est susceptible de faire des 2 ans ou il faudra quand même plus raisonnablement les attendre un peu plus tard? Écoute, Fuissé, c'était un très bon 2 ans lui-même. Hein. Il a débuté dans le Crève-Cœur à Deauville, qu'il a gagné. Après, il a gagné le prix des aigles à Longchamp. Ma mémoire me fait défaut. Là. Et il est placé de groupe quand même à 2 ans. C'est un cheval qui... Moi, je l'aime beaucoup. Bon, forcément, je le vois peut-être avec les yeux de l'amour, parce que c'est un cheval de la maison. Mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je vois à l'entraînement. Nous, on l'a gâté. Papa lui a envoyé ses bonnes juments. On a une sœur d'Elusive Kate par lui. On a une sœur de Trève, qui est magnifique aussi. Je pense qu'il a, il a tout pour réussir. Le cheval est apprécié de beaucoup de monde. Il a saillé des juments d'obstacles, des très bonnes juments d'obstacles. Il peut être polyvalent. Il avait de la vitesse. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas faire de 2 ans. King Mongbo est le père de Kentucky Dynamite. C'est un grand, grand, grand étalon. Kentucky Dynamite, il a sorti Mutin. Comment on pourrait qualifier un peu sa production? Je crois qu'on en a vu même en obstacle également. Oui, bien sûr. Kentucky Dynamite, il produit très très bien. Kentucky Dynamite, si tu fais son ratio, il a plus de 80% de ses chevaux qui sont à l'arrivée, ou gagnants ou placés, des chevaux qui ont couru. Alors bien sûr, il n'a pas encore gagné de groupe 1, mais ça, ça va venir. C'est un jeune étalon, il a des 4 ans, il faut leur donner un peu de temps. Si vous prenez Motivator, il est rentré au haras en 2006. Il a fait un gagnant de groupe 1, Trève, en 2014. C'est pour ça que les étalons, il ne faut pas trop les juger trop vite. Il faut leur donner le temps d'avoir au moins des 4 ans, voire même des 5 ans à l'entraînement, c'est-à-dire 2 générations de chevaux. Et à ce moment-là, mais c'est un cheval qui est très polyvalent. Il a un très bon cheval en Angleterre qui a fait ses débuts en France et qui vient d'être deuxième dans un groupe 2, qui a été deuxième en fin d'année dans un groupe 1. Et donc, il est polyvalent aussi. Et c'est un cheval qui fait des chevaux très bien dans leur tête, des chevaux durs. Moi, je pense que la même chose, c'est un cheval qui est extrêmement bien né. C'est la famille de Daniel. Donc, il va devenir un très bon étalon. Cricket, tu as entraîné toi-même le fameux Dunkerque. Donc, tu es la mieux placée pour nous en parler. Encore un jeune cheval. Qu'est-ce que ce cheval peut apporter à la jumenterie? Ce fils d'Ayestoner, on va le rappeler. Ben, tu l'as dit, c'est un fils d'Ayestoner qui a été un très bon étalon, qui faisait la monte ici. Et puis, Dunkerque, c'est un cheval qui est d'abord physiquement très beau. Il a de très beaux aplombs, c'est un cheval qui fait comme son père, qui fait des chevaux parfaits. C'était un bon cheval de course, donc voilà, il faut espérer qu'on va en faire un étalon. Moi, j'aime bien ce que j'ai vu en 2 ans, puisqu'il a eu des 2 ans en 2013. Il a fait des gagnants. Bon, il n'a pas eu tellement de juments la première année,
mais il a un ratio, si on prenait le pourcentage de réussite au nombre de foals, enfin de chevaux qui sont nés et de chevaux qui ont couru, il est très devant des chevaux, il est devant tout le monde d'ailleurs, de très loin. Alors, je pense que c'est un cheval qui va faire un bon étalon. Moi, j'en ai à la maison, on en a vu courir, je pense que c'est un cheval qui va se faire sans problème. Mister Sydney, une origine américaine, un cheval que les Français ont du mal à comprendre ou à connaître. Comme maintenant, on commence à voir des partants, comment les choses se présentent ? Ben, la même chose. Mister Sydney, c'est un cheval qui est arrivé d'Amérique, que les gens ne connaissaient pas du tout, ils ne l'avaient pas vu courir. Avec un pédigré magnifique, tu peux difficilement trouver un cheval mieux né que ce cheval-là. Bon, ça va être un peu plus long parce que les gens, au début, les gens sont un peu méfiants, ils ne les connaissent pas, donc ils aiment bien voir les chevaux courir. Ce qui est normal aussi. Mais le cheval a eu des gagnants à 2 ans. La même chose, on a des produits à la maison qui ont l'air encourageants. J'ai une sœur de Trèves aussi par lui qui s'appelle Trophée, qui a couru à 2 ans, qui est deuxième ici dans un très bon lot à Deauville, que j'aime beaucoup, qui est une jument qui a sûrement des moyens. Donc voilà, il faut qu'il saillisse des juments. Et plus il va saillir, plus il va montrer qu'il est capable. C'est un cheval... Il a une qualité pour moi sur sa progéniture, c'est que c'est des chevaux qui sont infatigables. Quand tu les dresses, les poulains, tu les amènes à l'entraînement, tu les dresses, t'envoies certains, si tu veux, au bout de 20 minutes, 30 minutes, ils commencent à fatiguer. Lui, ils sont infatigables, ils ont une énergie extraordinaire. Alors, s'il a les juments qui produisent, il va faire un étalon. Et puis, il est extrêmement bien né. C'est pour l'élevage français, c'est un plus. Un jeune étalon qui aura ses premiers 2 ans cette année. Alors, on connaît bien sûr le cheval de course, Yumzen. Maintenant, en termes de production, toi qui es entraîneur, en as-tu et comment sont-ils ? Alors, moi, j'ai reçu, là, pour le moment, 2 d'Irlande, une pouliche et un mâle. Physiquement, ils ressemblent à leur père énormément. Ils sont comme lui, c'est-à-dire très bien faits, des chevaux assez compacts. Ils ont d'ailleurs l'air de 2 ans, quand tu les vois comme ça, à la première vue. Mais c'est des chevaux qui sont très bien dans leur tête. On n'a aucune difficulté à les dresser. Il plaît énormément aux éleveurs français parce que c'est un cheval qui a beaucoup sailli. La première année, plus de 100 juments. L'année dernière aussi. Cette année, il va faire la même chose. C'est un cheval qui plaît énormément. Il peut être polyvalent. Il est né à distance. Donc, on verra l'année prochaine puisque ses premiers 2 ans, si tu veux, sont à l'entraînement cette année. Bon, bien sûr, cette année, il faut espérer qu'il fasse des 2 ans. Mais lui, c'était pas, quoi qu'il a gagné à 2 ans aussi, mais c'était pas un cheval qui est supposé être très précoce. Mais les gens l'aiment bien, et ça c'est le principal. Il faut qu'ils saillissent beaucoup de chevaux, et puis beaucoup de juments, et ça va aller.